Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country. Aujourd'hui, on reprend l'histoire. Donc, dans le précédent let's play, je vous avais, je sais pas si je vous l'avais indiqué, mais du coup, toutes les quêtes annexes qu'il y a besoin de faire, elles ont été mises dans un let's play qui sortira en simultané avec celui-ci. Donc, si vous voulez voir tout ce qui s'est passé avant en termes de quêtes annexes, vous pouvez. Puisque, mine de rien, j'ai fini pas mal de quêtes, je suis niveau 51... Et ma solidarité a quand même largement augmenté. Du coup, on n'a plus qu'à se diriger vers la porte principale pour continuer l'aventure. Donc on va y aller tout de suite. Ok, donc une fois de plus, il va sûrement falloir aller dormir à l'auberge. Metsの目的はイーラのコアだ。本来の姿となった胸部にそれはあると言われている。でも まだイーラのアルスに変化はありませんね。昼寝でもしてるんじゃないか。天の聖杯は。むしろその方が好都合だ。あの尾根が上半身となり、そこにコアが現れるはずだ。軍による討伐隊の編成にはしばらくかかる。我々は先んじて明朝に進発しよう。 オートで留守番だなんて。僕も行きます。始まった。めんどくせえ。ここから先の戦いはこれまでとは違うんだ。分かってくれないかな。シン、何か言って。俺たち邪魔じゃないよね。いや、この先の戦い、お前たちは邪魔だ。 ですよね。見ると、お前は王都に残ってこそアデルの役に立てる。あなたまだわからないの？ 2人
2人の気持ちがいい。あなたは戦場ではまだ役立たず、正直メツの前で守ってやるのはしんどいのよ。でもね、あなたがここで佐多彦を守っていてくれたら、私たちは思う存分戦える。 二人はそう言ってるの。頼んでねえし。怖っ。ね。お前ならわかるはずだ。アデルのため何をするべきなのか。約束してくれ。メッツをやっつけて必ずアデル様を連れて帰るって。 約束する。お互い自分の役目を果たしましょう。ふーん、意外にマメなんだ。何の用だ。別にちょっと暇だったから。 俺は暇つぶしには向かないと思うが。カグツチもそうみたいだけど、日記をつけるブレードって結構多いの？知らん。人は人、俺は俺だ。ドライバーが死んだらコアに戻るのよ。意味ないと思うんだけど。次に同調した時に以前の自分を知りたいと思うことは不自然じゃない。 必ずしも手元に残るとは限らないでしょ。それでもだ。たとえ不確かなものであってもすがりたいと願う。それが俺たちだ。何のために？信じたドライバーとの絆のために。絆？まあ今のお前には分からんだろうがな。嫌な言い方。 まるで私に心がないみたいじゃない。<笑>何よ。俺が言いたかったのは、お前が結ぶべき絆はここにはないんじゃないかってことだ。アデルは私のドライバーよ。確かにそうだが、どこか違うような気がする。え？今ではない未来、お前の絆はそこにある。そんな気がしただけさ。 勘だよ。ただのブレイドもな。当てにならなさそう。そんなことよりさっきはすまなかったな。何？意外だった。あなたもあの子も不器用なんだもの。見てられなくなったのよ。<笑>お前に言われるとはな。
れがイーラのアルスの本当の姿。あそこに滅が。時間がない、急ぐぞ。Eh ben, c'était sacrément impressionnant. Superbe mise en scène, on va dire. C'est waouh, il est super beau ce titan. Mon dieu, regardez-moi ce décor. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'espère vraiment qu'une fois qu'on aura terminé le jeu, on reprendra vraiment à ce moment-là. Au moment où le titan il est déployé, parce que c'est super beau à voir. Oh, autant il y a des gros défauts techniques, mais autant par exemple ce panorama là, il est superbe. Bref, on va se téléporter à la porte sacrée. この先に滅がいるのか。それにしても気になります。滅は何だってこんなことを。単なる破壊衝動なんでしょうか。光、同じ天の聖杯である君にもわからないか。さあ、同じと言ってもそれはあくまで能力だけ。マルベーニ女祭の深層心理を反映している可能性は。わからないわ。アデル、行こう。これ以上時間を与えるのはまずい。そんな気がする。OK, c'est parti. On va enfin attaquer ce donjon. Enfin, aussi bien, il n'y a même pas de donjon, hein, je vous dis ça, mais aussi bien, on va juste aller directement à Malos, ce qui serait complètement con, je trouve. Mais bon, c'est eux qui choisissent. D'ailleurs, je crois qu'on va aller directement à Malos, là, vu comme c'est parti. Vu que l'objectif, il est que à 180 pas. Je la sens, la tourloupe, là. Finir le jeu en 15 heures, ça me fait un peu... Enfin, ça m'embête. Ah non, ça va. この場所は作戦拠点に良さそうです。Donc on a des niveaux 40 à peu près. Et donc on est vraiment à l'intérieur du Titan. Ça me rappelle Xenoblade Chronicle 1 premier du nom. Lui aussi, ça se finissait dans un Titan. Ça se finissait dans Bionis. Je vais voir combien d'XP il donne. Ok, il donne que dalle, mais alors vraiment que dalle. Mon dieu, regardez ça. C'est impressionnant, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de... d'une chose vivante. C'est impressionnant. Oh,
Alors, il y a un passage là, je sais pas trop où on doit aller en premier. Non, ici au final il n'y a rien. Et il y avait pareil de l'autre côté, j'avais l'impression. Et là par contre on a un trésor. Allez, du coup on monte. C'est une blague, on doit tuer ça. Bon ben ça va, c'était pas trop dur. En même temps j'ai gagné que dalle en XP. Ah oui, non mais d'accord. Moi j'avais l'impression que c'était un petit truc de là où on est arrivé. Parce qu'on est arrivé, j'imagine, un peu plus bas, voilà. Mais là, regardez-moi la taille de ce truc. C'est juste énorme. Donc on a bel et bien un vrai donjon. Ah tiens, là il est niveau 45, on va le battre, peut-être qu'il me donnera un peu plus d'XP lui. Et du coup, il faut aller où? Bon, vous me direz, ça a l'air d'être fermé là, donc j'imagine qu'il va falloir désactiver ce qui... Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, on doit aller un peu plus bas, juste ici. Il doit y avoir un interrupteur ou quelque chose quelque part.
Il y a un coffre de l'autre côté. Mais j'y ai pas accès. Donc on va monter par là. Je suis mal en point, ce serait bien que j'ai des grosses potions qui apparaissent. Parce que bon là je suis... C'est chaud quand même. Yes, ça c'est fait. On peut continuer. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, niveau 45. Enfin 46, 45 et 47.
Si je viens d'exprimer, je viendrai les battre parce que là, honnêtement, je pense pas en être capable. Apparemment, là, on va arriver sur une zone qui a été en quelque sorte aménagée par l'homme. Et il y a pas mal de directions différentes. On a un fragment là. Je me suis fait avoir. Oh mince! Alors honnêtement, j'avais absolument pas vu le trou. On va attendre qu'il repart de l'autre côté. Parce que vu que c'est un monstre unique, niveau 48, il m'exploserait à coup sûr vu que je suis que niveau 51. Là-bas, c'est fermé. Là aussi. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter ici. Au prochain épisode, on va ouvrir les deux portes et continuer pour aller jusqu'à Malos. Je pense que c'est pas mal, on arrive après une demi-heure de let's play, c'est raisonnable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à commenter, et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo.